Bonjour à tous, mes chers amis, bienvenue pour le tirage du jour du 27 février 2023. Je vous propose ce tirage, donc ce sera chaque jour un petit short que je vais vous proposer, qui sera le tirage du jour, dans cette nouveauté qu'il y a sur YouTube. On va faire les tirages du jour et ensuite je vais commencer les tirages sentimentaux, donc restez bien présents. On va regarder tout ça et ce sera un tirage avec le taroscope, donc tirage prévisionnel qui va parler à certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, chers amis, pour ce tirage du jour que je vais faire avec le tarot. Ici, on va voir ce qui se passe pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais commencer les tirages sentimentaux pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour vos retours et commentaires. Pour une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui, pour le 27 février 2023? Quelle énergie pour le collectif? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 27 février 2023, pour le collectif? On va faire un tirage en croix et on va voir les énergies dominantes de cette journée. Puis je vais vous prendre un message de l'oracle de Ganesh, qui nous donnera un supplément d'informations pour ce jour. Je lis dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On est dans une énergie de recommencement pour cette journée. Il y a quelque chose de possible, de réalisable, de magique. On a la carte du magicien, du battleur. C'est celui qui a entre les mains la possibilité de créer, de réaliser quelque chose de nouveau. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous aurez la possibilité de mettre sur pied, sur place, un nouveau projet, une nouvelle situation. Vous allez commencer quelque chose. Vous avez tout en main. Vous avez fini un cycle dans une certaine dans un certain domaine, dans une certaine situation. Ça nous parle vraiment de commencement, de démarrage, d'avoir une certaine vraiment magie entre les mains, que tout est possible. D'accord? Donc, utilisez cette journée pour commencer quelque chose. Ce qui va être compliqué, ou qui est en contre, on nous dit qu'il y a eu un jugement. Le jugement, c'est la carte de la réussite. Bon, on nous dit que peut-être ce démarrage de ce que vous voulez mettre sur pied aujourd'hui sera pas forcément une réussite tout de suite, hein, vu qu'elle est en contre, l'énergie. Le jugement, oui, c'est ça. On nous dit que le démarrage ne va pas porter une réussite tout de suite. On va voir pourquoi. Parce que certaines choses que vous voulez mettre sur pied avec la lune ici nous expliquent qu'il y a des choses cachées. La lune, c'est un peu comme pour dire, voilà, tout n'est pas clair, tout n'est pas éclairé, comme si on avait le soleil. Il manque une certaine clarté sur une situation aujourd'hui qu'il va falloir peut-être résoudre pour que ce commencement puisse se faire de manière optimale. La lune nous dit de bien écouter votre intuition, de votre ressenti, de chercher à comprendre ce qui n'est pas clair pour vous. Et au final, il y aura quand même, avec le soleil magnifique, une réussite. Donc l'énergie de ce jour, de ce lundi, je vous souhaite déjà une très bonne semaine. Un démarrage, pas de réussite tout de suite. Il y a des choses à éclaircir encore, à mettre mettre au point, on va dire. Vous renseignez, écoutez votre intuition, cherchez, et au final, il y aura une réussite avec le soleil. Vous atteindrez votre objectif. On va voir quand même la synthèse, a priori, ici, 19, 20 et 20, 40, 58. Vous voyez, il y a une situation qui se termine, donc avec la fin, pour un nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous avez terminé un projet, vous allez en commencer un autre, vous terminez. Peut-être la mise en place d'un aménagement, d'aménagement, vous allez pouvoir commencer quelque chose d'autre. Il y a vraiment cette notion de fin et de démarrage pour cette journée. Mes chers amis, on va voir le conseil de l'oracle de Ganesh. Donc, il y a encore certaines choses à éclaircir pour que ce soit complètement une réussite, mais ça va l'être. Vu qu'on réponse, on a le soleil. Alors, message de Ganesh ici pour vous. Ganesh, message pour la journée du 27 février 2023, message du jour pour le collectif 27 février. Qu'est-ce que Ganesh a à nous dire?
Alors, on y va, chers amis. Et ce sera des tirages que je ferai tous les jours pour vous. On nous dit, tu vas être dans la joie, profitez de chaque moment, amusez-vous, soyez dans la félicité, la joie. Beaucoup de joie autour de vous aujourd'hui. Parce que vous sentez que vous avez terminé quelque chose peut-être de compliqué, d'harassant, vous arrivez au bout. Vous avez ici une nouvelle possibilité de commencer quelque chose de neuf en ce début de semaine. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, belle énergie pour cette journée et à bientôt. Au revoir.